Alors voilà. Donc ici, je vais juste montrer le match contre la châtelaine de la maison de combat au niveau de trio que j'ai enregistré. Donc les Pokémon qui m'a servi à faire le texte test, faut le dire vite, pour une espèce de fuite camp one shot. Donc on va lancer le combat. J'espère que la qualité ne sera pas trop mauvaise. Donc voilà. Tiens, j'ai de la main, voir. C'est Pokémon. Voilà. Déjà, en one shot, le cochignon. Voilà. Donc, pas très très dangereux. On essaye d'avoir le Volcaropode, mais ça ne suffit pas. Malheureusement, et car on a fini brûlé. On essaie de faire pareil avec le Cravarac. Pas de bol non plus. Et c'est là que Carnona se fait focus. Appui de Carmona. Donc là j'envoie Sergueï, le Lucario. Lucario qui va donc méga évoluer. Nouveau one shot. Oh, et un moins. Voilà, et comme là, il y avait Phoenix qui était midlife. J'ai hésité à utiliser Aurore dessus. Donc j'ai préféré utiliser Vibrassoie en fait de Sergueï pour la soigner. Comme ça, elle pouvait faire une attaque. J'étais tranquille. Voilà, alors c'est deux autres, deux derniers Pokémon. Voilà. Tour de soin. Et on est reparti. Et malheureusement, le magnéton a fermeté. La bête du girafari qui va aussi bien m'embêter. Il va lui rester très très peu de vie. Voilà, donc il me tue mon Sergueï. Le Girafarig était vraiment la grosse grosse menace. Voilà, donc là j'envoie Maniki. Là on se demande qu'est-ce que c'est que ce Beans. Termine le magnéton. En fait, la Manekineko qui se trouve tout à droite, en fait, c'est Zoroark. Voilà. Donc, d'où exponé. Voilà. Et le finish.
de Maneki. Voilà. Et voilà qui conclut ce match contre la châtelaine de combat Méridia du combat trio. La maison de combat. Voilà, donc le seul Pokémon de mon équipe qui ne sera pas sorti, ce sera Sévipeur. Donc Lisandre, la Sévipeur, qui aura eu l'occasion de sortir sur d'autres matchs que je n'ai pas enregistrés. Donc voilà, bah, merci en tout cas d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous aurez apprécié le petit enregistrement. Et je vous dis ciao !